Quentin Hubru. Tous les vendredis, de 21h à 23h, sur VL. On reçoit YL. Encore merci d'être avec nous, YL. Merci à toi. Tu sors ton premier album, Nix et Reb. Il est sorti le 1er février. Il est disponible partout. Comme tu dis sur les réseaux, allez casser la Fnac. Allez braquer la Fnac. Allez le chercher partout. Donc c'est disponible sur les plateformes. Partout, la Fnac, tout ce que vous voulez. Il y a une petite rumeur qui est en train d'enfler, si je peux dire, sur les réseaux sociaux. C'est qu'on voit une affiche avec donc Nix et Reb, le côté sombre, et Aether et Emera sur une grande affiche où on voit un côté lumineux, donc ce qui représente bien donc Aether et Emera, la mythologie grecque, hein, qui sont vraiment le ciel et la lumière. On se demandait s'il n'y avait pas un double album qui était en préparation. On parle d'une date, le 15 février. Qu'est-ce que tu en penses? Je le vois assez surpris. Ouais, franchement, je sais même pas où t'as vu ça. T'as vu ça où? On a des petites sources. On a YL, on fouille, hein. On est des petits fouilleurs. Est-ce qu'il y aurait une petite exclue pour nous? Est-ce qu'il y a un double album pour le 15 ou pas du tout? Je suis dépassé. T'es dépassé? Ah ouais, là, tu viens de me choquer. Je sais pas où t'as vu ça déjà, premièrement. T'as vu cette affiche où? J'ai vu, voilà, on a des petites sources sur les réseaux. Il y a sur les réseaux, mais j'ai vu une affiche en tout cas avec du sombre, ouais. Donc Nix et Reb, et du lumineux Aether et Emera, ce qui représente pour moi. C'est peut-être du fan art, tu sais. Ouais. Vu comment c'était fait, je trouve que c'était assez pro quand même. Tu sais que mes fans, ils sont pros, hein. Ouais. Mais parce que avant cet album, t'avais sorti des morceaux. Un qui s'appelait Aether, un ouais. qui s'appelait Emera, mmh. et il y avait Nix et Reb. Mmh. Du coup, moi, je me dis, comme tu aimes bien dire, c'est que l'apéritif. Mmh. Donc moi, je pense sincèrement qu'il y a un double album en préparation. Est-ce que tu pourrais me confirmer ça ou pas du tout? Je suis pas en mesure de te confirmer ça. D'accord, mais c'est une hypothèse, on va dire. Ouais, t'as capté, je pense. Écoute, tu peux hypothéser tout ce qui te dire ça hypothétiquement, mais voilà, hypothétiquement. Après, t'as vu, ça peut être pas selon les chiffres. Je suis pas en mesure de te confirmer ça. T'as vu une affiche, c'est peut-être du fan art. Tu vois, je suis assez fan des affiches, moi, tu sais. Bah écoute, ce qu'on va faire, je vais attendre le 15 février et je vais ressortir cette vidéo où je te pose cette question. on verra ça. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.